Mes amis, bien le bonjour. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre. <coughs> Pardon, parce que bah parce que j'ai quand même un, un petit. Euh, alors je suis pas le micro, mais je suis un micro casque et j'espère que vous allez m'entendre avec ce micro casque. En tout cas, ça dépanne. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, si je vais bien. Ah non, ah non non non. Oh, zut. Avec tout ce qui se passe, non, c'est pas possible. Pas possible d'aller bien. Je suis euh... Je suis tendue comme un string, mes amis. Non, mais j'en je, je, peux plus, là. Je n'en peux plus. Je ne, je, je ne comprends plus ce, ce monde. Enfin, si on en fait, si on le comprend trop bien, en fait, on se rend compte maintenant, j'espère que les gens s'en rendent compte, que euh, ces dirigeants euh, s'en foutent, mais carrément de, 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 de leur population. Ils n'en ont strictement rien à carrer. Ils pensent à leurs plans. Euh, et ça fait mal. Ben oui, ça fait mal. Je veux dire quand tu vois comment il s'appelle Macron qui part en Nouvelle-Calédonie pour soi-disant je sais pas quoi, pour quoi faire en fait, <laughs> pour rien faire. Il part en Nouvelle-Calédonie parce que c'est un acteur, c'est un acteur de complément, comme je dis. Ce sont des figurants. Euh, c'est du cinéma, voilà. Et avec des mauvais acteurs en fait. Donc voilà. Donc il part en Nouvelle-Calédonie, il repart, c'est encore pire que quand il est quand il n'était pas passé. Euh, il repart et qu'est-ce qu'il fait il va, il va voir un match de foot. Je veux dire, dans quel monde on est je, je, je ne comprends pas. Non, vraiment, je ne comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. Tu ne vas pas voir un match de foot si tu revenu de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'est ce foot de la gueule du monde. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis profondément agacé. Entre l'autre, là, le Neta machin, là, qui ne veut pas cesser ses bombardements. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est que ça Mais où est-ce qu'on est, -ce qu est Alors, ça veut dire que si la CPI n'a pas de. Euh, euh, je veux dire, c'est toujours la. la c'est la géométrie variable, leur truc. Ça veut dire, ah ben non, ça ne nous plaît pas. Donc euh, la CPI est, est antisémite, la ceci. Et ça. Oh non, mais ça va bien. Ça commence à bien faire. Vous voyez bien qu'ils font tous leurs lois. Tous. Ils font tous leurs lois leur loi comme ils veulent. Par contre, toi, si tu veux la ramener, hein, voilà. Donc, euh, non, ce n'est pas possible. On, on est dans... On est, on, est, on, on, on est gouverné par des arnaqueurs, des. des, des... Oh. Enfin, voilà quoi. Moi, tout ça me dégoûte. Un, là, j'ai un vin de tension, là, ce matin. Ah, je vous jure que oui. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, c'est tout. J'en peux plus de ce monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde Comme je dis, c'est marrant, comme quand on n'était pas dans l'UE, hein quand on n'était pas dans l'Union européenne, les gens étaient quand même plus cool, c'était plus sympa, et on était surtout beaucoup plus riches. Non on n'était pas mieux avant. Moi je trouve qu'on était mieux avant. Je trouve. Tu vois. Donc ça, c'est factuel. Je, les gens, si tu leur demandes, avant d'être dans l'Union Européenne dans ce truc-là, quand on était euh, des pays comme ça, chacun gérait son pays. Et, et, et voilà. Est-ce qu'on était mieux à cette époque-là ou est-ce qu'on est mieux maintenant On est d'accord qu'on était quand même mieux avant. Ben parce que les présidents pouvaient s'occuper de, 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 de leur pays comme il faut. Euh, faisaient les, les, des lois qui, qui étaient censées et pas des trucs qui viennent de maintenant tu les entends parler il y a que l'Europe le... a que l'Europe dans leur bouche alors autant vous le dire hein, l'Europe ils peuvent s'asseoir ils peuvent dessus ça va faire exactement comme lex urss ça va s'écrouler ça va s'écrouler de toute façon c'est pas viable leur histoire voilà donc euh, donc quand on sait tout ça mais bien sûr qu'on sait tout ça Hein On sait tout ça. On savait très bien aussi que euh, pourquoi l'Ukraine, pourquoi comme ça, ça se, ça se battre pour l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on qu qu en a à voir nous de l'Ukraine Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça Rien du tout. On les connaissait même pas avant. On dirait que c'est, je sais pas. Euh, J'ai entendu dire que Zelensky va venir pour, euh, je sais pas, une fête française, commémoration, euh, euh, je sais pas. Bon, bref. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça Bientôt, ils vont nous le foutre à la présidence de la République. Non, mais je... non. Non, c'est pas possible, moi c'est plus possible. Hein. Ah moi j'ai le cerveau qui fait trois tours. Hein. Ah non, j'en peux plus, là. J'en peux plus. Il faut qu'ils se calment, tous ces gens, ils font, ils sont ils sont ils sont malades. Ce sont de grands malades, je suis désolé. Ce sont de grands, grands, grands malades. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va exploser, hein. Ah si, ça va exploser. Un de ces quatre matins, ça va exploser, c'est obligé. C'est obligé. L'autre, avec sa réforme, là, euh, euh, alors il va durcir les lois là, pour le chômage et tout, là. Ah, je vous dis franchement, si j'avais de l'argent, je serais parti. Je me serais... ah, mais il y a plein de Français qui s'en vont. Il y a même des étrangers qui s'en vont. Vous voyez, c'est comme pour vous dire. Non, je serais parti Non, je serais partie. J'en je peux plus. J'en peux plus. Non, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que cette France C'est je sais pas. Tu traverses les rues de Paris, c'est dégueulasse. Tu vois des clochards partout. Tu vois des, des, des espèces de quartiers où ah oh, mais c'est Qu c'est qu'est-ce que c'est que cette France Non mais sans déconner. J'en peux plus. J'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que. Dans quelle merde on nous a mis, les amis Mais dans quelle merde Pfff. Alors moi je suis, je, suis par terre, je suis par terre. On va tous crever la dalle. On va tous se retrouver euh, à l'armée du salut bientôt. Euh, ils vont tout supprimer, de toute façon. Ils vont tout supprimer. Ils vont tout supprimer. Mais par contre, par contre, eux. Ça va pour eux Non, franchement, ça va pour eux. Ça va, ils sont bien payés, ils sont grassement payés pour ce qu'ils font, ces enfoirés, en plus, pour, défon pour défoncer tout, ils sont très bien payés, je trouve, tu vois. Je ne sais pas s'ils avaient euh, dans d'autres pays, euh, les, les, les gens, là, les ministres, le gouvernement, ils ne sont pas payés autant qu'en France. Hein ah non, non, non. Tu restes au SMIC, mec, tu vois Déjà, tu sais, s'ils étaient vraiment, s'ils avaient une paye, genre 2000 euros par mois net, juste ça, tu vois ils peut-être ce que ça.. Non, mais tu vois ce que je veux dire. bah oui, parce que là, c'est facile de tout nous enlever. C'est très facile. Ils s'en foutent. Eux. Ils touchent des 14 000, 20 000, 20 000 euros par mois. Qu'est-ce qu'ils en ont à carrer Alors, c'est toujours les pauvres qui vont payer pour les riches. C'est ça le, le projet. Mais c'est une, une ignoménie. C'est horrible. C'est horrible ce qu'ils sont en train de faire. C'est horrible. Ça va péter et ça va péter dans tous les sens. Dans tous les sens, ça va péter. Je vois pas comment ça peut pas péter, en fait. Je ne vois pas. Je ne je, je, je vois pas d'échappatoire. Je pense qu'il y a des Français qui ne verront pas l'échappatoire. Ils vont être obligés de se, de se rebeller. Je, 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 voilà, je, je, je ne sais pas. Ça va péter à un moment donné. Alors, vous vous imaginez, on a les Arabes et les Juifs. Euh, si ça pète en France, on a les, les, les pauvres contre les riches, les machins. Contre... Tout le monde est divisé. Ça va péter. Ça va péter. C'est obligé. C'est obligé. Il y a les, la Nouvelle-Calédonie, euh, euh, tous les pays euh, d'outre-mer et tout ça, l'outre-mer. Euh, enfin, je veux dire, c'est... Non, non. Comment ça, tu vas, tu vas en Nouvelle-Calédonie et tu reviens voir un match de foot À, à peine t'es arrivé, tu, tu vois bien qu'il en arrive. Vous voyez bien que ces gens n'ont strictement rien à foutre. Ils sont là pour appliquer leur plan. Mais, et, et, et les humains, on est là, nous Oh, allô On est là comme disaient les, les Gilets jaunes, on est là. Tu vois Comment ça va se terminer, toute cette. Comment ça va se terminer Je vous dis, entre les. Bon, l'Ukraine, on s'en tape. Hein. L'Ukraine, c'est loin, et puis ça ne nous regarde pas, on s'en fout. Enfin, personnellement, je m'en tape. Euh, mais quand même, là, je, je parle des Israéliens, des Israéliens là-bas, et des Arabes, mais je parle aussi ici, parce que le conflit, il est ramené ici, qu'on le veuille ou non. Pourquoi ben Parce qu'on est, on est à côté, on vit ensemble. Tu vois Donc, c'est là le plus dangereux, déjà, là. Tu te dis, c'est chaud patate, tu vois. Puis après, tu as, as, as tout ce qui ne va pas. Tu as, as, as les gens qui, qui crèvent la dalle. As... Enfin, moi, je suis... Euh... Moi, je suis inquiète. Je suis inquiète, puis je suis très énervée, en fait. Je suis très... Euh... Je suis remontée, voilà. Je suis remontée. Parce que c'est parce que dégueulasse. Voilà, c'est tout. Euh, là, je pense que tout le monde voit bien que que ce, ce, ce gouvernement de, 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 de sataniste se, se tamponne le coquillard des gens, strictement rien à carrer, ils ne pensent qu'à l'Europe, c'est bien, mais nous on est en train de crever. Alors je ne vois pas comment ça pourrait se terminer correctement. D'accord Je ne vois pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon sur ce. Ah oh, oh ouais là, je suis, je, suis, je suis en stress là. Il suffit que tu ailles voir un petit peu ce qui se passe sur Twitter pour avoir un peu... Parce que moi, je n'ai pas de télé. J'ai trois chaînes et encore, il euh, faut que je les cherche. Euh, mais je vais sur les réseaux pour voir un petit peu, ben, qu'est-ce qui se passe, normal Ah oh, mon dieu. Non, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est du grand n'importe quoi. Mais ces gens-là sont payés une fortune pour nous défoncer quand même. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un, hein je sais pas. Quand tu as 20 000 balles par mois, quand je dis 20 000, j'en certainement plus, mais euh, euh, et tu, 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 tu non, on est des esclaves, on est des esclaves. Puis alors, il y a quand même un truc aussi quand même. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire dans ce pays. On ne peut plus rien faire. Si tu gagnes un euro, on te les prend. Euh, si tu, je ne sais pas, tu fumes une cigarette, je ne sais pas, mais on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Mais c'est ça le projet. C est, c est, c est... Attends, tu viens au monde, d'accord Tu travailles pour qu'on prenne la moitié de ce que tu gagnes, voire plus. C'est tout Et après, tu meurs. Ah ouais Mais je ne suis pas venu au monde pour ça, moi. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que cette vie Vous trouvez ça normal Est-ce que vous trouvez ça normal on a de moins en moins de liberté, et en plus, on doit, on doit filer tout notre œil. Mais est-ce que c'est normal Tu as, as un petit, euh, je sais pas moi, tu te fais un petit cabanon dans ton jardin, tu vas payer le cabanon Tu vas payer parce qu'on va te taxer sur un cabanon Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens, dans le monde dans lequel on vit. Tu ne peux plus rien faire, ils, ils te font les fonds de culotte, ils te prennent tout ce que tu as. Tout. Et vous trouvez ça normal on vient au monde, on est élevé, on va à l'école pour apprendre le, un petit peu la vie. Euh, euh, Et après, tu travailles. Et après, tu es un esclave, en fait. Après, tu es juste un esclave. Bah, bien sûr que si. Tu es juste un esclave. C'est pas normal. Comme ça, jusqu'à la mort. Mais c'est pas normal, enfin. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis pas venu, on est pas venu sur Terre juste pour pour trimer. Et, et, non, je sais pas moi, j'en sais rien, mais c'est grave quand même. Hein. Non 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 non, c'est ça, c'est pas normal du tout. Moi et je me calme parce que non bah c'est quand tu penses à tout ça, tu dis c'est quand même, c'est quand même très étrange. Hein. C'est quand même très étrange. Non non, c'était quand même. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. Moi je vous dis, c'était quand même vachement mieux avant, et c'est vrai, c'est la réalité. C'était mieux avant. Et c'était mieux avant qu'on rentre dans l'Union Européenne, leur truc, là. Je suis désolée, mais oui, c'était quand même mieux avant. C'est tout, voilà. Alors, tous les gens qui me parlent d'Europe, j'ai envie de les gifler, mais à l'heure d'une force, je te raconte même pas. C'est normal qu'on ne s'occupe pas de nous. Bah non, ils sont, tous, ils sont tous en train de faire leur petit, euh, leur petit truc, là. Oh, bon, allez, je me calme. Ah, ne calme. Oui, je me calme, je me calme, je me calme. Bon alors, que va-t-il se passer cette semaine Quoique, que voulez-vous qu'il se passe Comment voulez-vous qu'on tire les cartes Non, mais comment tu veux tirer les cartes Faire une voyance sur le monde avec tout ce qui se passe C'était un truc de. de, de, de bon, bref. Allez, on va quand même essayer. Hein non, mais vraiment, je te jure, moi, je suis, je suis au bout de ma vie, là. Je suis au bout de ma vie. Oh, bah déjà. Alors, je ne sais pas si c'est un orage ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui va péter fort. Hein, mais c'est peut-être un orage. Bon, allez. Ouais, je pense que c'est un orage. Il va y avoir une tempête ou je sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est une tempête au sens propre ou au sens figuré. Mais la tempête, la tempête, elle est là, les enfants. Hein elle est bien, là, la tempête. Oui une grosse, grosse tempête avec beaucoup de vent. Avec beaucoup de vent. Ah là là, je jure, je suis désolée, mais je suis vraiment très énervée. Euh... Une tempête Est-ce qu'il va y avoir une tempête ah, ah, oui, je suis bête. C'est peut-être euh, ben peut la Nouvelle-Calédonie. Il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc. À moins qu'ils vont. Attendez. À moins que. un. un comment ça s'appelle Je ne sais pas comment on appelle ça. Peu importe. Euh, vous savez, euh, trafique un petit peu le, le climat. Il y a une, une suspicion quand même. Hein. Climat qui va être trafiqué certainement dans les îles ou un truc comme ça. Il va y avoir une. Euh, je pense, hein. Un coup de vent, un truc comme ça, un truc bien, un truc bien puissant quand même. Hein. Donc faut que je me calme parce que là, je me sens, je me sens super énervé là en fait. Bon j'ai bu 15 cafés aussi. Euh, je, je pense que c'est peut-être un, un coup de vent. Euh, ouais. Alors c'est peut-être, c'est peut-être en Nouvelle-Calédonie. Ça peut être juste, ça peut vouloir dire aussi forcément que ça va, ça va péter quoi. Bah, tu m'étonnes m'étonne c'est qui est ça qu'est ce qu'on en a à foutre qu'est ce que c'est que ça oh là ah bon c'est avec macron ça non c'est qui cet homme là un homme blond enfin aux cheveux clairs avec macron quoi ils se la font ensemble <laughs> bah écoutez hein, c'est un peu ce que les cartes me disent hein je ne sais pas Macron aurait-il un fiancé Hein Blond Un blond Je ne sais pas. Vois. Bizarre, ça. Ah Ah, ah ben, je suis bête, c'est peut-être Jean-Michel. C'est peut-être Jean-Michel que je suis bête. Ben oui. Ah, ben on sait plus maintenant. Hein. Oh là. Alors, il y en a un, un curé, un prêtre, un homme de. de, de comment ça s'appelle Un religieux, en tous les cas. Je ne sais pas s'il va se. Se prendre un coup de couteau, un truc, ou alors euh, il va être malade, ou je... il perd du sang. Pour moi, il perd du sang. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va l'attaquer, un religieux qui... qui perd du sang ou qui va être très énervé. Oh, qui perd du sang, j'ai l'impression. Moi, je vois du sang. Hein. Moi, je pense que c'est du sang. Hein. Un religieux, hein. un homme, un prêtre, un curé, un... je sais pas, un... ça peut être aussi, oui, un imam, un. On appelle ça un rabbin. Je ne sais pas, peut-être qu'il va être attaqué. Hein. On verra. Alors, moi, je vois du sang en tous les cas. Euh, donc, y a des documents, des papiers, des écrits. Euh, je crois que c'est avec. Euh, je, bon, ça doit être un. C'est avec la Chine. Hein. C'est avec la Chine. Bon, ça doit être des contrats, des trucs et des machins. Oula La grosse colère Grosse, grosse colère, oui. C'est qui, ça Il y a un conflit, mais euh, comment dire C'est qui, ça Ou alors, ce sont des médecins qui, qui, qui vont en justice C'est quoi, ça Ou qui demandent justice C'est quoi, ça Hein C'est qui C'est un médecin. Qu'est-ce que c'est que ça Attendez. Je ne suis pas assez concentré, je crois. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Ça, c'est Aménothès. C'est qui, lui Il y a un conflit, mais je vois, je vois plus la justice. Bon, bon on parle d'enfants, d'institutions. Que va-t-il se passer avec des enfants dans une institution hein Des enfants dans une institution, dans un immeuble Et pourquoi on parle de ça ou alors, c'est des enfants ou une famille. Fais voir. Ça, ça me dit rien en fait. Alors, le diable. Le diable est à l'Élysée. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il est à l'Élysée, le diable. Hein On sait qui c'est maintenant. On sait qui c'est. Ah hein oh là là, il y a un truc. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a une. Bah ben ouais, mais c'est pour ça, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça devient compliqué de tirer les cartes, hein, je vous le dis. Hein, parce que là, vraiment, euh, moi, pour moi, il y a une bombe là, mais euh, je ne sais pas où elle est la bombe. Il y a une bombe quelque part, j'ai l'impression. Bien fort, hein. c'est bien, bien fort. Ou alors, c'est un tremblement de terre. Il y a quelque chose. Fais voir. Bon, écoutez. Il y a un, une bombe euh, une bombe quelque part, mais quelque chose de costaud. C'est quelque chose de fort. L'impulsion est, est, est forte en fait. Et euh, c'est quoi ça? Je vais peut-être laisser ça là comme ça. Il y a une bombe. Bon, écoutez, on verra bien. On verra bien. On nous ment sur. Euh... Ah, ça, c'est sûr. C'est marrant, ça, tiens. C'est quoi, ça On nous ment sur tout ce qui se passe dans le monde. Ça, on le sait, on le voit maintenant, on est d'accord. On nous ment, il y a de la tromperie, c'est des mensonges. Mais euh... on nous ment même par rapport. C'est bizarre, ça. Je ne sais pas pourquoi on, on parle du soleil. Un astre, alors on, on, certainement d'un astre, on me parle d'un astre, du soleil. Bizarre ça. Il y a un mensonge par rapport à quelque chose comme ça, à un soleil, à, à, à un astre quelconque, à une planète peut-être. Et euh, on, est, on, est, euh, on est trompé sur cette histoire. On est trompé sur cette planète. Ah bon c'est peut-être l'histoire de, de la Lune hein, qui sont montés sur la Lune, qu'ils ont marché sur la Lune et que c'est faux, tu vois. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. Enfin, sinon, on m'aurait montré la lune. Hein. Là, on montre le soleil. On me montre le soleil. C'est bizarre, ça. Ça se, trouve, ça se trouve, on a un soleil artificiel, les filles. Ah, on ne sait pas. De toute façon, ce, ce, ce monde est tellement fait de mensonges que Pff, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Oula. Ouh, le, 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 le. Alors. C'est quoi Bon après, est-ce que... Attends, est-ce que c'est en Afrique Ou alors c'est l'immeuble que je voyais là. Non, il n'y a pas un immeuble avec des gens dedans. Ils vont se faire. Euh... Pardon. C'est peut-être un immeuble qui, qui, qui se prend une bombe, un truc. C'est peut-être ça. Hein. Parce que je vois tout à l'heure, je voyais ça, je voyais des gens dans un immeuble. Et euh, ouais, je ne sais pas. Peut C'est peut-être ça, la bombe hein, que je vois. Hein. C'est peut-être ça. Oh, il, y en a, il y a une échappée de moineaux de prison. <laughs> il y en a qui vont s'enfuir de la prison, mes amis. VIP. Ils vont se faire la malle, eux aussi. À moins qu'on nous parle de. Ah oui, d'accord. À moins qu'on nous parle plutôt de. Comment ça s'appelle De ce type qui s'est échappé, qui s'est évadé de prison. Alors, soit il y a encore une envolée de moineaux dans les prisons, il y a encore quelqu'un qui va s'échapper. Euh, ou alors. Enfin, quelqu'un ou plusieurs, hein, j'en sais rien. Euh, ou alors, on va, on va retrouver euh, ceux qui se sont euh, évadés. Il hein un truc comme ça, en tous les cas. Hein. Quelque chose à voir avec les prisons. Quelque chose qui s'évade de la prison, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Alors, ouais, bon, on entendra parler de tout ça. Hein. Un gros, gros orage qui se prépare. Un gros orage qui se prépare. Tu vais voir. Ouais. Est-ce que. Dans la mer, un gros orage dans la mer. C'est quoi ça Ça doit être costaud ce truc-là quand même. Hein euh, ouais. Alors. Je vois bien aussi un hein, comment ça s'appelle. Peut-être un attentat, mais euh, dans une voiture, c'est pas sûr en fait. Il y a quelque chose avec une voiture euh, ou une personne qui va se faire euh, euh, un truc comme ça. Mais est-ce que je prends celle-là Fais voir. Ou alors, c'est une personne qui est dans une voiture. C'est bizarre parce que... Attends. Moi, je pense que c'est la voiture. Je pense qu'il y a une voiture hein, à côté. Il y a aussi... Quel... Attends. Deux secondes. Il y a aussi euh, quelqu'un euh, plutôt étranger. Hein, je dirais euh, soit euh, arabe ou israélien. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y, 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 y a des coups. Euh... Est-ce qu'elle est dans la voiture, la personne Est-ce qu'elle est dans la voiture Il faut que je me concentre. Parce que vous savez, j'étais tellement énervée avant de prendre l'antenne, j'allais dire... <laughs> avant de prendre l'antenne, j'étais tellement énervée, mes amis, que je n'ai pas pu faire mon journal. C'est un peu ça. Non, mais c'est ça. Il faut que je me concentre parce que je crois que c'est... Attends, putain. Euh... Bon, écoutez, il y a quand même une histoire avec quelqu'un qui, qui, qui s'énerve, qui, qui donne des coups de couteau quand même. Hein. Mais je vois une voiture, moi, bon, alors écoutez, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ou alors c'est un accident de voiture, mais bon, bon ce, ce, serait, ce serait trop banal, en fait, ça. Plutôt quelqu'un de. Bon, on verra ça. Alors. Ah, ils déploient, ils déploient leur, leur armée. Les États-Unis et l'Europe vont se mettre d'accord par rapport à quelque chose, hein. par rapport à l'armée. Ils vont peut-être se réunir, réunir leur armée, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, mes amis. Il y a l'armée qui va se déployer quelque part. L'Europe, les États-Unis. Il y a l'armée qui va se déployer quelque part. Hein. Ou alors, il y a, oui, enfin, ils vont se mettre ensemble. Je ne sais pas, il y, a, il y a un truc comme ça. On peut-être retrouver des, 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 des Européens dans une armée américaine ou vice-versa, quoi tu vois. Ils se, ils se mettent ensemble. tu peux voir. Moi, je pense que, ouais peut-être ça, remarque que j'ai vu tout à l'heure. Je sais pas. Ouais, ça c'est possible qu'un bateau se retourne, tu vois, chavire. C'est possible hein, qu'un bateau chavire ou se retourne. On verra ça. Euh... Bon, ça on est d'accord. Hein. Qu'est-ce que je suis nerveuse à ce matin, mon Dieu. Euh... Ça c'est. Euh... C'est comment elle s'appelle C'est euh, Marine Le Pen. Mais On me dit rien de spécial sur Marine Le Pen. C'est comme si qu'elle achevait quelque chose. Que oui, c'est comme si qu'elle est arrivée euh, à terme, j'allais dire. <laughs> oui. Elle va peut-être euh, oui, peut euh, peut faire le débat avec Macron, je ne sais pas. Il y a une sorte d'achèvement. De... Bon, on remarque en même temps, elle est arrivée au bout. Hein, ça y est, maintenant, normalement, j'aurais de te dire. Normalement, euh, ça devrait être facile pour elle, les doigts dans le nez, hein, non Qu'est-ce que vous en pensez Après, il y, a toujours des... <laughs> il y a toujours des surprises dans ce gouvernement, vous savez. Je, je... Alors, c'est marrant parce que. Tout le monde dit, bon, c'est Marine Le Pen qui va passer en 2027. Mais ben, vous savez quoi? Ils sont tellement vicelards, tellement vicieux, ces gens-là, que euh, je ne sais pas, je, je, je sens le, le coup, le coup fourré. As le, un coup de Trafalgar, hein, un truc, hein on ne sait jamais. Moi, je vous le dis. Alors, on s'en fout. Ah là 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 là. En tout cas, il fait beau et c'est le principal en ce qui me concerne pour l'instant. Je vais juste me concentrer sur ça. Il fait du soleil. Ça, c'est bien. Oh punaise, c'est quoi ça oh, Il y a beaucoup, beaucoup, mais alors quand je dis beaucoup d'argent qui sortent du palais, mais alors pour... Euh, je ne pense pas que ce soit pour nous. Hein. Il y a des réserves, mes amis. Des réserves de bouffe. Ils sont en train d'acheter de la bouffe. Hein Mais, mais c'est trop là Ils achètent. À moins qu'ils. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont faire une soirée ou j'en sais rien, mais alors dis donc Bonjour les thunes hein Ou alors ils vont être grillés par rapport à des, des dépenses euh, euh, folles par rapport à justement des repas, des trucs comme ça. En tous les cas, là, ils achètent beaucoup, 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 beaucoup. Il y a des réserves, hein. il y a de l'argent qui est mis là-dedans. Il y a de l'argent qui est mis dans des réserves. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'ils vont acheter du blé Encore si c'est pour nous, ça va, tu vois. Mais là, c'est énormément, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ben ah, voilà, c'est quand je suis énervé. Euh, beaucoup d'argent pour... Euh, euh, de la bouffe, hein de la bouffe, voilà, voilà, oh bah ben là, tiens, là, là, elle là, c'est le, le feu, le feu, le feu, mes amis, hein voilà, c'est pas bon, hein ça tombe sur, euh, ça tombe, il est en mauvaise posture, lui, hein très mauvaise posture, faut il faut qu'il fasse attention à sa gueule, j'ai envie de vous dire, eh oui, à sa petite gueule d'ange, parce qu'il est en très, très, très mauvaise posture, très mauvaise, J'entends moins que tout à l'heure. On va le faire comme ça. Ouais. Ouais, il y a, y a des. Ouais. Il y a le feu, mais. C'est marrant, ça. Est-ce que… <laughs> moi bon, je me tais parce que. Parce que bizarre. Bizarre, cette histoire-là. C'est vrai qu'elle est un peu chelou, cette histoire-là. Moi, je vous dis que Macron a quelqu'un d'autre, à mon avis. Mais ça se trouve. Euh... Je ne sais pas, j'ai l'impression. Hein. Mais ouais, voilà, quoi. Tu vois et je pense qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Hein. De toute façon, on ne saura pas. Mais il y a de l'eau. Vraiment, quand je vous dis qu'il y a de l'eau dans le gaz, c'est grave. Hein. C'est bien grave. Hein. Attention. Hein. Ça fait deux semaines que je sors ça là. Ah, c'est pas bon du tout. Hein. Du tout, du tout. Ça se trouve, il est avec le blond que j'ai vu tout à l'heure. Ah, on ne sait pas. Mais en tous les cas, ça, il y a une chose dont je, dont je suis sûr, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz. Mais grave, grave, grave. Ils sont déjà séparés, on ne le sait pas, tu vois. C'est pour ça qu'il a été boire un coup à, à la buvette en allant voir le match de foot. <laughs> il s'est bourré la gueule, le mec. Il n'en a plus rien à secouer de rien, tu sais. Il est au bout de sa life. Punaise. Oh là 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 là, je vous jure. Alors, il y a l'impulsion, les... C'est quoi ça? Non, il y a des gilets jaunes. D'accord. Alors, il va y avoir deux parties là dans ce. Euh, il y a euh, un homme qui ressort, le grand monarque, justement. Euh... Je ne dis pas que, je sais pas, il y a les gilets jaunes avec lui, un truc comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire, donc je vous le dis. Euh, C'est comme s'il donnait l'impulsion. Alors, ça peut être un homme d'État, ça peut être un chef d'État, euh, ça peut être un chef qui a la stature d'un monarque, un peu comme, tu vois, des gens comme ça. Ça peut être un chef d'État, mais il y a vraiment une, ou ça peut être un Mélenchon ou un truc comme ça, tu vois, euh, bon, bref. Mais il y a, voilà, il y a quelqu'un qui, qui va entraîner entre guillemets, les gilets jaunes. Donc, une, une manifestation, je ne sais pas, un, une révolte peut-être, une révolte qui seront guidées par un homme, bien précisément. Ouais. Il y a un homme qui va. Euh... C'est peut-être. Euh, peut ça peut être dans les pays en ce moment, des pays en guerre, euh, euh, où ça peut être aussi, ça peut être aussi la Nouvelle-Calédonie, peu importe, en tous les cas, c'est un homme qui, qui, qui prend tout le. Qui galvanise les foules, voilà, attends, je trouve plus mes mots, qui, galva qui galvanise les foules pour un retournement de situation, quoi qu'il en soit. Hein. Voilà. Donc, euh, c'est une révolte, une révolution, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il est, il est bien là, le mec. Hein. Les torches-cu les torches au palais, comme d'habitude. Il ne pourra pas aller quelque part, lui, Macron. Hein. Il va être empêché. Hein. Il voulait aller faire une tournée, je ne sais pas où. Il pourra pas. Il ne pourra pas y aller. La substance, encore, encore et toujours. Ah, ça, la drogue. Hein. Ça, la drogue, on connaît. Enfin, ils connaissent. Hein. La drogue, la drogue. Hein. La drogue qui te fait changer de visage. Hein. Ouais. Ben bah oui, quand tu prends de la drogue, tu n'es plus, euh, plus la même personne, tu vois. Alors, je ne sais pas si on parle de. Je sais pas de qui on parle. Alors, c'est qui, lui euh, On s'en fout, on s'en fout. Ouais, encore une grande réunion, forcément. on ça. Enfin voilà. Quoi, non, je vous dis, ce monde va pas bien du tout, du tout, du tout. Je, je, je ne sais pas comment les Français dans quelques années, dans les quelques années à venir, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Alors, quand je parle des Français, je, je m'inclus dans, bien sûr. Je ne sais pas. Dans les, dans les années à venir, là, je, je, ça me fait quand même assez, c'est assez flippant, je trouve. Si, si, c'est assez flippant, parce qu'à un moment donné, ils vont tout supprimer. Hein. Ils vont te supprimer. Vous avez vu déjà les allocations logement pour, euh, ils, ils ont pris 5 euros, je sais pas quoi, un truc comme ça. Bon, allocations logement. Là, ils voulaient les supprimer encore. Hein. Il y en a un qui a osé dire, je sais pas si vous avez entendu, c'est une honte. Il y en a un qui a osé dire que les allocations logement ne servaient à rien. <laughs> sans déconner. Par contre, eux, ils en ont. Alors, eux, ça leur sert. Hein. Mais pour nous, non, nous, ça ne nous sert pas. Nous, ben non, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse Espèce de crétin, va. Non, mais sérieux. Donc, allocation logement, RSA, euh, chômage, machin, bientôt, c'est terminé. Il n'y aura plus ça. C'est fini. Ah oui, c'est le projet, en hein, toute façon. Ils veulent nous. Euh, bon, on est déjà des esclaves, mais là, ça va être. Oh, là ça va être chaud patate hein. Chaux, Chaud, chaud Chaud, pateteuse. Alors, c'est qui, ça, cette, euh, c'est qui, elle? Hein? Bah, c'est qui, cette femme? Je sais pas, il y a une. Bon, on s'en fout. Allez. Bon, j'ai pas envie de, <laughs> j'ai pas envie de me prendre la tête ce matin. <laughs> ah, on va avoir des nouvelles d'un, d'enfants? Est-ce que ce sont des enfants ou est-ce que c'est un enfant? Soit on va avoir des nouvelles d'une séparation. Soit on va avoir des nouvelles de, euh, d'un enfant, mais pourquoi d'un enfant? Est-ce qu'il y a un enfant qui est retenu quelque part ou est-ce qu'un enfant va être enlevé? On va en entendre parler de ça? Euh, C'est possible. On va peut-être entendre parler d'un enfant qui, soit qui a été enlevé, soit qu'on qu a retrouvé, je sais pas, tu vois. Donc, euh, peut-être ça, hein. Vous pouvez voir? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un enfant qui a disparu? Il y a un enfant qui a disparu, a qui a disparu de, depuis là? Est-ce qu'il y a un enfant qui a disparu bon, On verra ça plus tard. Bon, nous sommes le. Qu'on est le combien On est le 26 et il est. Il est quelle heure Ah, il est. Ah bon, déjà, fais voir. Ah, il est déjà 13h32, mes amis. Tu vois là Voilà. Eh bien, écoutez, euh, j'ai terminé. Euh, fais voir. Oh, il y a un truc avec une voiture. Eh bien, j'ai terminé. Voilà. Bah oui, bah, aujourd'hui, je suis un peu en stress. Hein. Bah voilà, C'est normal, c'est l'empathie. Ça nous énerve, tout ça. Hein, ça nous énerve, tout ça. Euh, je vous fais des gros bisous. Franchement, je ne vois pas ce que je peux faire comme voyance euh, intéressante, tu vois, où tu te dis, tiens, tu as envie de te creuser la cervelle un peu. Je ne sais pas. Non, franchement, je ne sais pas. Avec ce monde de fous, je ne sais pas. Alors, on et on partage. Parce que je suis Shadowban. On like, on partage. Oui, on partage aussi, c'est bien de partager. Hein. Bah oui, ça me fait plus de vues. Hein. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et passez un bon dimanche, les gens. Hein. Bisous, bisous. <music>